Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous parler sur les dimensions de certains composants électroniques. Tout d'abord, je vais commencer par les résistances. Ici, je suis sous l'environnement ISIS-2 Proteus, donc je vais chercher des résistances. Donc, regardez ici. Donc, je me retrouve avec des résistances de 0,6 watts, des résistances de 2 watts, des résistances de 3 watts, des résistances de 7 watts et des résistances de 10 watts. Je vais par exemple choisir une résistance 1 kilo-ohm 0,6 watts. Donc, je clique sur 0,6 watts et je cherche la résistance de 1 kilo-ohm. Donc là, voici. Regardez maintenant les dimensions de cette résistance de 0,6 watts. Donc, de là à là, j'ai 0,2 inch. Donc, les dimensions de là à là. J'ai 0,2 inch, c'est-à-dire 200 tau. Et pour plier le composant, lors de son implantation sur plaque de circuit imprimé, je dois plier la pâte du composant en lui laissant ici 0,1 inch, c'est-à-dire 100 tau. Et par conséquent, j'aurai de là à là 100 tau, de là à là 200 tau, et de là à là 100 tau, c'est-à-dire 400 tau, et qui est égal à 0,4 inch. Donc, je vais choisir une. OK. Donc, regardez, résistance R1 de 1 kg et de puissance maximale égale à 0,6 watts. Je vais passer à RS. Regardez. Donc, je vais faire des mesures de là à là. 100 tau, de là à là G, 200 tau et de là à là G, 100 tau. Je vais passer à Isis. Je vais choisir une autre résistance. De puissance maximale égale à 2 watts et de valeur égale à 1 kilo-ohm. Donc, regardez. Voici cette résistance de 1 kilo. Elle a des dimensions supérieures à celles que je vous ai déjà montrées. De puissance maximale égale à 0,6 watts. Donc, regardez, elle va prendre 0,9 inch, c'est-à-dire 900 tau, comme place dans le schéma d'implantation et par conséquent dans la plaque de circuit imprimé. Donc, regardez, sous Isis, on ne va pas voir la différence. Regardez les mêmes dimensions sous Isis, mais sous RS, regardez, je vais me retrouver avec ce composant. Regardez, je vais le placer ici, par exemple, pour pouvoir comparer. Donc, c'est la même valeur ohmique, 1 kilo-ohm, 1 kilo-ohm, mais les dimensions ne sont pas les mêmes. Donc, je vais faire des mesures uniquement pour s'assurer. Donc, toujours de là à là, vous avez 100 tau. Donc, regardez, de là à là, 100 tau. Et de là à là, j'aurai 900 moins 200, c'est-à-dire 700 tau. 700 tau qui est égal à 0,7 inch. Je vais passer à Isis pour voir une autre résistance de puissance 3 watts, de valeur 1 kilo. Donc regardez maintenant, j'ai une résistance de longueur totale égale à 1,2 inch, c'est-à-dire 1200 tau. Je vais la mettre
sur l'interface de Isis, donc c'est toujours 1 kg, donc on ne va pas voir la différence. Je vais passer à Arès. Regardez, une résistance de 3 watts. Et ici, j'aurai 1000 tau. Donc, je vais mesurer. Regardez, une résistance de puissance 3 watts. Je vais chercher une résistance de valeur 1 kg et de puissance supérieure à 3, par exemple 7 watts, 1 kg, regardez 1,8 inch, 1800 tau. Ok, je vais la mettre ici, R4, je vais passer à Arès, je vais implanter le composant R4, la résistance R4. Donc regardez ces dimensions. Je mesure. Regardez. 1600 tau. Et sa longueur totale, c'est 1800 tau. Je vais choisir une résistance de 10 watts de valeur 1 kg. Regardez, sa longueur totale c'est 1800 tau. Je vais la mettre ici, R5. Je vais passer à Arès. Donc regardez, la résistance R5 de 10 watts a les mêmes dimensions que la résistance R4 de 7 watts. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les dimensions des résistances sont fonction de la puissance maximale de ces dernières. Une visualisation 3D de ce que je viens d'implanter est la suivante. Par conséquent, chaque résistance, selon sa puissance, a son propre boîtier. Donc, regardez, pour R1 de puissance 0,6 watts, son boîtier est appelé RES40. RES40. Donc, regardez ici, 40, il est égal à 400 tau divisé par 10. Pour la résistance R2 de puissance 2 watts, son boîtier est appelé par Arès RES90, c'est-à-dire 900 divisé par 10. Pour la résistance R3 de longueur totale égale à 1200 tau, alors son boîtier y sera appelé par Arès RES120. Donc regardez, RES120. Et pour les résistances R4 et R5, de puissance respective 7 watts et 10 watts, puisqu'elles ont la même longueur totale égale à 1800 tau, alors elles auront le même boîtier et qui est RES 1800 divisé par 10, c'est-à-dire 180. Donc vérifions ceci. RES 180 pour R4 et pour R5, son boîtier est appelé RES 180. Finalement, il faut savoir que sur Arès, on peut passer d'un boîtier à un autre de la manière suivante. Par exemple, je veux travailler avec des résistances de 0,6 watts. Donc ici, j'aurai RES 40. OK. RES 40. Le même boîtier. Donc, regardez ce que je vais obtenir sous Arès. Donc, les mêmes dimensions. À la prochaine vidéo. Salam.